Bonjour à tous, bienvenue au niveau de cet nouvel épisode de Swift Academy. Nous continuons toujours avec la programmation réactive à la fois en Eric Swift et Combine. Et au niveau de cet épisode, on va s'intéresser à un opérateur très spécial. C'est l'opérateur chair qui existe à la fois au niveau de Eric Swift et de Combine. Et l'idée de cet opérateur, ce qui nous permettre de un petit peu de partager la même inscription, le même publisher, entre plus qu'un subscriber. Et le meilleur exemple que j'ai voulu vous présenter, c'est en utilisant l'URL session, à la fois sur Combine ou bien en utilisant Eric Swift. Comment on va faire? On va essayer de tout d'abord de partir sur un petit exemple qui nous permet de tester notre post manager. Je vais commencer tout d'abord en Eric Swift. En Eric Swift, on va commencer en Eric Swift en créant un publisher. Alors let publisher égal post manager point par exemple load post v2 puisque c'est en Eric Swift. Ça, on a un publisher et ce publisher là, on va créer plus qu'un subscriber pour ce publisher. Je peux créer par exemple subscriber 1 qui est le publisher point subscribe avec le on next et derrière on va essayer de prendre le résultat qui est normalement un ensemble de postes et on va afficher les postes tels qu'ils sont pour les postes. Et de même, on va créer un deuxième subscriber, on va l'appeler subscriber 2, et on va essayer de lancer pour voir le résultat. On rappelle que l'outpost 2, il va nous retourner un observable de type post en passant par l'opérateur qu'on a créé, le load data, etc. Vous voyez ici qu'on a reçu deux résultats, ça c'est l'attendu. Bien sûr, c'est pas trop formaté, mais c'est pas l'objectif de cet épisode. La question qui se pose, est-ce que les subscribers, au moment qu'on a fait l'inscription, est-ce que l'appel web service dû au postmanager.loadpost2v2, est-ce qu'il est appelé une seule fois ou bien deux fois? Pour savoir ça, on peut ajouter un petit message ici. Bon, on peut même ajouter, je pense, un debug, si je ne me trompe pas. Et ce debug, on peut mettre call API, ici. C'est une manière de faire les choses. C'est pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça permet d'afficher sur le terminal. Vous voyez ici que le nombre d'appels API, on a le call API tout dehors, il est lancé plus qu'une fois. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez un event next avec 134 bytes ici et un deuxième ici. Puisque ici, dans notre résultat, le résultat ne va pas changer. On aimerait bien que, ne pas appeler deux fois, mais appeler une seule fois le publisher et partager, faire un share de son résultat pour l'ensemble des subscribers. L'idée est simple. On va arriver ici et on va utiliser tout simplement le share. Et on va relancer une autre fois pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Et vous voyez ici que le call API, il est fait une seule fois. L'event on next, il est appelé une seule fois, et le résultat, voici le résultat, et ensuite, notre publisher termine avec un event completed,
il dispose, c'est-à-dire qu'il libère. Ça, au niveau de Eric Swift, l'opérateur cher. Passons maintenant au niveau de Combine. Au niveau de Combine, on va faire de la même manière, c'est-à-dire qu'on va créer un publisher sur le load post V3 et on va essayer de l'exploiter. C'est pour cela que je vais l'appeler ici let combine publisher, juste pour distinguer. Publisher. C'est le post manager aussi. Point load post V3. Ça, c'est notre publisher. Et on va de la même manière, ici, créer un subscriber. Let subscriber. Subscriber. Combine 1. Qui est en fait le combine publisher. Point. Maman, c'est un combine publisher. Sync. Point sync. Bon. On peut avoir, pas besoin d'avoir le completion, juste avoir les valeurs. Et ici, on peut printer les posts. Je vais mettre en commentaire le code côté RxSwift pour de raisons de clarté. Là, ici, c'est ces postes. Et derrière, on va répéter de la même manière en créant un subscriber combine 2 et on va voir est-ce que tout d'abord les résultats. Vous voyez ici que on a deux appels de la même manière, receive value, on a reçu value. Et vous pouvez aussi de la même manière ici venir, ah oui, parce que j'ai fait déjà le call API. Le print, c'est le equivalent au debug, en termes un petit peu de debugging au niveau de RxSwift et de Combine. On peut ajouter là pour voir un petit peu le séquencement des appels. Vous voyez ici qu'on a fait l'appel plus qu'une fois. C'est de la même manière. On va essayer d'utiliser le share, c'est-à-dire faire le share côté Combine. Et on va lancer pour voir est-ce que le nombre d'appels. Et vous voyez ici qu'on a fait un seul appel, mais deux résultats. Alors, vous voyez que le comportement entre RxSwift, les deux opérateurs, ils font le même truc, le même résultat. Mais il y a une petite différence. La différence que jusqu'à maintenant, si on a par exemple, imaginons qu'on a un deuxième, notre deuxième subscriber, il prend du temps pour s'inscrire. Mais à ce moment-là, le publisher, il a terminé l'envoi de ses informations. C'est-à-dire qu'il a terminé son traitement. Et du coup, derrière, si on arrive, c'est-à-dire qu'il a complété en d'autres termes, si on arrive à faire une inscription après avoir que le publisher, il a terminé son travail, complété, il a disposé. Alors, comment je peux s'assurer que les inscriptions qui sont faites à travers ce publisher, ils sont maintenues? C'est-à-dire que je reçois dans le deuxième subscriber les informations. Côté RxSwift, je vais vous montrer. Là, je vais mettre en commentaire ça tout d'abord. Et je vais refaire le code ici, en RxSwift. C'est-à-dire que je vais lancer mon traitement ici d'une manière asynchrone en utilisant le dispatch. Ça va prendre un petit peu de temps, si on peut dire. DispatchQ.main.async. Après un certain temps, par exemple, now plus 5 secondes. Et derrière, on veut faire l'inscription après. C'est-à-dire que la création de notre subscriber se fait après 5 secondes, le temps suffisant pour que normalement notre
que le publisher a terminé son travail. Alors, lançons le share. Tout d'abord. Alors, normalement, on attend à avoir deux résultats, mais malgré que le publisher, il va terminer son travail. Alors, lançons ici. On va voir. Et vous voyez que on reçoit, même si vous voyez qu'on a attendu, le call API, il a, en utilisant le share, il a pris du temps. Et derrière, on a fait un deuxième call API pour recevoir les informations. Mais on peut utiliser, ça c'est le share normal. On peut utiliser le share replay qui normalement nous permet de ne pas faire l'appel une deuxième fois. Et vous voyez ici que même si on a reçu un deuxième, mais le share replay nous permet de recevoir l'information et de relancer l'appel malgré que le subscriber il est arrivé un temps plus que la normale, à plus 5 secondes. Normalement, le publisher il a terminé son travail, mais on reçoit l'information après ce temps-là. Malheureusement, côté Combine, on n'a pas cette possibilité de faire une inscription après avoir que le publisher il a terminé son travail. Et du coup, on va là, je vais vous montrer comment, au niveau de Combine, on n'a pas cette possibilité. C'est-à-dire que si je mets en commentaire le code ici, et je fais de la même manière, je vais prendre seulement cette partie du code, et je vais arriver ici, tac, et ici, et je vais, avec le même share, je vais lancer l'appel. Vous voyez ici que notre subscriber, le deuxième subscriber, il n'a rien reçu. Bien sûr, il y a la communauté, il a essayé de trouver une solution pour un petit peu refaire le share play au niveau de Combine, et je vais vous montrer ça dans une prochaine épisode. C'était tout pour cet épisode où j'ai essayé de vous présenter un petit peu l'opérateur share. Il est vraiment très intéressant, surtout lorsque on a plus qu'une inscription sur un publisher, suite par exemple à un appel réseau, etc. On veut un petit peu, au lieu de relancer une autre fois l'appel, parce que parfois c'est pas bien de relancer deux fois un appel en utilisant un publisher. Moi réellement, au niveau de notre projet, on a eu ce cas plusieurs fois. Et l'utilisation de cet opérateur share, ça nous permet de binder les résultats de valeur d'une façon automatique pour plus qu'un publisher. C'est très intéressant pour plus qu'un subscribe, et ça permet de ne pas refaire l'appel et de gagner en termes de productivité. Merci à vous et à la prochaine épisode.